Alors, je rebondis sur une vidéo de Florian Chinsky du MJLF concernant Yahvé et Elohim. Elle confond, enfin elle, c'est une façon de parler, elle confond Elohim avec le Elohechem ou Elohecha ou Elohenu. C'est pas du tout la même chose. Entre dire les dieux et mon dieu ou notre dieu, c'est pas du tout pareil. Il ne faut quand même pas confondre, quand, il ne faut pas ignorer qu'il y a un possessif ou pas. Quand je dis Elohe Israël ou Elohe Yaakov, eh bien ce n'est pas Elohim. Le Elohim, à partir du moment où il est précisé par un possessif ou par un nom propre, ça n'est plus la même chose. Le Elohim tout court, c'est l'ensemble des dieux existants. Et d'ailleurs, dans le décalogue, il est dit, tu n'adoreras pas d'autre dieu que moi. Elohim Acherim. Donc, le fait de... On ne peut pas dire que Elohim est un nom juif de Dieu. Au contraire. C'est quand il est précisé qu'il devient juif. Quand on dit Yahvé est ton Dieu, ton Elohim, oui, d'accord, mais pas. Mais si je dis simplement Elohim, eh ben j'englobe tous les dieux, y compris Yahvé. Il faut quand même savoir ce qu'on dit. Il y a un problème de grammatical qui est absolument précis. Alors on nous dit, oui, la première lettre de la Genèse, c'est le Bet, etc. Non, mais c'est bien gentil tout ça, mais restons quand même dans des choses grammaticalement évidentes. De même que je rappellerai à Mme Chinsky que Moïse... Il n'est pas considéré comme faisant partie du peuple hébreu. Constamment, on dit, tu iras voir ce peuple, tu iras voir mon peuple. Et donc, par conséquent, la formule du schéma Israël, Adonai Eloheinu, elle est absurde. Elle est absurde si c'est Moïse qui le dit, parce que Moïse ne fait pas partie du peuple hébreu. On peut dire que les Juifs disent cela, mais dans le contexte de l'Exode 3, c'est Moïse qui s'adresse à Israël. Et plus exactement, on reprend aussi là des formules qu'on trouve dans les prophètes, Ézéchiel, etc. Le schéma, il se trouve dans la plupart des grands prophètes qui s'adressent à Israël. Et en plus, Israël, c'est pas les Hébreux du monde de Juda, c'est les Hébreux du royaume du Nord. Bon, alors aussi, il faudrait aussi ne pas dire n'importe quoi non plus à ce niveau-là. Donc, pour le tour terminé. Le Dieu des Hébreux, c'est Yahvé, on peut l'appeler tétragramme, on peut l'appeler comme on voudra. On peut dire qu'il faut l'écrire mais pas le prononcer. C'est tout à fait intéressant, je me travaille beaucoup sur le rapport entre l'écrit et l'oral. Mais ce qui est certain, c'est que Elohim n'est pas un des noms de Dieu. Dans le meilleur des cas, Dieu est un Elohim, est un des Elohim, mais c'est tout.